Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce podcast. Mon nom est Yves Aïvo. Je suis entrepreneur, je suis étudiant. Je travaille dans le domaine de l'infographie, dans le domaine de la communication. Je suis monteur vidéo, un petit couteau suisse quoi. Et aujourd'hui, le thème de ce podcast est de vous raconter mon incroyable voyage. Alors, voici comment le marketing de réseau a transformé ma vie. Dans l'un de mes podcasts, je vais revenir sur la définition de marketing de réseau et tout. Et je suis sûr que tout le monde est déjà informé à ce sujet-là. Mais je vais le refaire quand même. Alors, il y a quelques années, j'ai débarqué dans cette aventure qui a complètement en fait changé ma vie et ma perception des choses. Le marketing des réseaux m'a offert bien plus qu'un simple job. En fait, il m'a ouvert des portes vers un monde d'opportunités et de croissance personnelle. Au début, bon, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais j'ai rapidement découvert que cette industrie allait bien au-delà au fait de la vente simplement des produits que vous voyez sur Facebook et tout. C'est au-delà d'une communauté passionnée de personnes dévouées. Et donc, au-delà du marketing de réseau, j'ai en fait découvert que cela est une communauté en fait de gens qui sont passionnés, qui sont dévoués à vraiment aider les autres à réussir. Parce que c'est l'un de nos mantras dans le marketing de réseau. Le networking, les formations, les défis, tout cela contribue en fait à ma formation personnelle. Et j'ai appris donc à sortir de ma zone de confort, à développer des compétences en communication et à devenir vraiment un vrai leader. Ce voyage m'a également ouvert des yeux en fait sur la puissance et la résilience de la persévérance. Vraiment, j'ai vécu des hauts, des bas. En tout cas, ça fait partie du jeu. Si vous voulez un jour entreprendre, sachez que vous aurez des hauts et des bas. Si vous n'êtes pas prêt à subir les bas, non, n'entreprenez même pas pour dire que vous allez faire du marketing de réseau. Non. Mais chaque défi au fait que j'ai surmonté m'a rendu encore plus fort et plus déterminé que jamais. Aujourd'hui, je suis fier de dire que grâce au marketing de réseau, au fait, je suis en train de bâtir une équipe de gens remplis de valeurs. L'argent même, c'est autre chose. Je suis en train de bâtir une équipe de personnes remplies de valeurs. Et plus les gens ont la valeur autour de toi, plus l'argent va venir. Et c'est comme cela que nous, on travaille. Travailler d'abord nos compétences avant d'abord même de vouloir toucher l'argent. Car l'argent bien acquis dure très, très, très longtemps. Voilà. Et tout. Et nous avons aidé tant de gens à réaliser leurs rêves et leurs objectifs. Et j'espère que vous serez la partie aussi. Et au fait, mon conseil que je donne, d'accord, le conseil que je donne pour ceux qui envisagent de se lancer dans cette aventure de marketing de réseau, soyez prêts à travailler dur. Tu vas pas dépenser ton argent et puis dans 6 mois, tu vas obtenir des millions. Voilà. Sinon, nous, actuellement, on sera déjà dans les... Sinon, nous, si c'était le principe, actuellement, là, on sera déjà dans les milliards. Hein. Parce qu'on a 2-3 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Alors, soyez prêts à travailler dur, à apprendre constamment et à ne jamais abandonner. Le marketing de réseau peut transformer votre vie de manière incroyable, mais cela demande de l'engagement et de la détermination. Et vivez ça quelque part dans votre tête. Engagement puis détermination. Aussi la loyauté. Ne sautez pas de société en société et tout. Non, ça ne se fait pas. On va en parler même dans l'un de nos podcasts aussi. Et si vous avez des questions sur cette opportunité incroyable, n'hésitez pas à faire vos recherches là-dessus. Allez, peace!